Jackson. Ça veut dire qu'on n'est pas loin de Jackson, non? Quelques kilomètres, pas plus. Prêt à voir ton frère adoré? Je serais content d'arriver. T'es nerveux? Je sais pas ce que je ressens. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de The Last of Us. Donc, vous vous souvenez, dans le dernier épisode, Henry et Sam... Eh bien, écoutez, sont morts. Car Sam, en fait, s'est fait infecter lorsqu'on traversait la ville. Et, par alliance, Henry, en fait, s'est suicidé. Donc voilà. Donc là, nous sommes, comme vous voyez, sur une sorte de plaine, etc. Loin de la ville, en tout cas. Nous sommes à une centrale hydraulique. Et donc, nous avons pour objectif de trouver le frère de Joël. Puisqu'on n'était pas d'accord sur un point. Ah, nous y voilà. Quel point ? Tommy voyait le monde d'une façon et moi d'une autre. Et c'est pour ça qu'il a rejoint les Lucioles. Ouais. Ouais, ta copine Marlène lui a vendu du rêve. Ça l'a occupé pendant un temps, mais Tommy étant ce qu'il est, il a fini par laisser tomber. Et comment ? Je crois que la dernière chose qu'il m'a dite a été « Je veux plus jamais revoir ta sale tronche ». Eh ben... Mais il va nous aider. Ça, on va le savoir très vite. En tout cas, on y arrivera. Avec ou sans son aide. Allez, on continue. Ça là-bas, c'est une centrale hydroélectrique. Ça utilise l'énergie de la rivière et ça la transforme en électricité. Comment ça marche ? Écoute, je sais ce que c'est, pas comment ça fonctionne. Et voilà. Waouh ! Ça pète ! Je vais trouver un truc. Reste ici. En vrai, dans la vraie vie, tu te fais emporter par le courant. C'est normal, c'est un surhomme. En vrai, je vois ça. C'est pas un surhomme, c'est un surhomme. Pardon. Allez, y a un gros truc, j'avais pas vu.
Vas-y, je vais revenir monter à la surface histoire de respirer un coup et je vais redescendre. Alors, où est-ce que je peux passer? Genre, on dirait qu'ici il y avait une fenêtre. Mais je vais mourir. Ok, faut que je trouve le moyen de passer en bas. Ah putain, j'arrive pas à nager vers le fond en fait. C'est genre grave compliqué. Ok. Coucou okay, Ellie. Il faut que... Je sais que je grimpe sur cette foutue palette. Faut que j'aille là-bas parce que ça se trouve je vais me faire emporter là. Adieu Joël. Allez vas-y tourne. Fais gaffe en traversant. Mais oui. Mais oui. Quelle équipe. Imagine j'y mettais un point là, sur un high five. Là, je peux descendre. On va descendre. Il va forcément y avoir quelque chose. T'as mis un presque vent là. Tu l'as même pas touché son iPhone. De ouf. Mais non, mais faut pas le dire, ce PK. Tu vois le mal partout. On fait un sur un. Oh! J'ai oublié de laisser ce sale robot sur sa tombe. Qu'est-ce que je dois en faire? Ellie. Quoi? J'ai envie qu'on en parle. Non. Pourquoi pas? Combien de fois est-ce que je dois le répéter? Les choses arrivent. Mais on avance. C'est juste... Ça suffit. T'as raison. Désolé. Faut qu'on arrive chez toi. Je sais, moi aussi. Bon, le truc naturel, vous faites ça. Une fois passé cet endroit, on essaiera de trouver à manger. Track to pedal. Est-ce qu'on entre? Il n'y a pas d'autre chemin. Passons par la centrale. Oh, une herbe à shit. Très violet, c'est le shit. Hein. Ouais. Carte de la centrale électrique. Bon. Je sais pas lire la carte sur The Last of Us, donc... Allez, on y va. Ils vont nous tirer dessus. Bah ouais. N'essaie même pas de dégainer ton arme et dis à la fille de lâcher la sienne. Bah ouais. Ellie, fais ce qu'elle te dit. Comme toute bonne personne, je sais pas, qui se protège, tu vas pas entrer chez quelqu'un comme ça. Dis-toi que vous êtes perdu.
écoutez, on savait pas que l'endroit était habité. On voulait simplement traverser. Pour aller où? Tout va bien. Tu le connais, ces gens? Lui, oui. C'est mon putain de frère. Coucou. Tommy. Oh, merde. Comment tu vas, petit frère? Oh, putain. Ouais. Laisse-moi te regarder. Oh. T'as pris un sacré coup de vieux. C'est bon, ce sera bientôt ton tour. Ça, c'est Maria. Sois gentil avec elle, c'est elle qui dirige cet endroit. Madame, merci de ne pas m'avoir descendu. Ça aurait été gênant, vu que vous êtes mon beau-frère. Il va falloir qu'on s'explique à un moment. Ellie, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est une longue histoire. Pourquoi on les ferait pas rentrer? Ouais. Ok. T'as faim? Oh, carrément. Fausse alerte! On les connaît. On subit pas mal d'attaques. Il y a plein de bandits dans le coin. C'est calme depuis quelques jours. Qu'est-ce que tu fous ici? Je pensais te trouver à Jackson. On essaie de redémarrer la centrale. On avait réussi à la relancer, mais une turbine est tombée en panne. On a l'électricité. Enfin, on avait. On va la récupérer. J'y crois pas. Vous avez des chevaux? On en a plein, même. Hé, hey, Tommy, donne-moi un coup de main. Désolé, je reviens. Je peux? Oui, bien sûr. Il aime qu'on lui caresse les oreilles. Tu es déjà monté à cheval? Eh ben, ouais. Quand est-ce que t'as monté à cheval? C'est Winston, un soldat de la zone. C'est lui qui m'a appris. Si tu veux, on pourra aller faire un tour avec lui tout à l'heure. Ça serait super. Voilà. Eh, merci Tommy. Pas de problème. Allez, on continue la visite? Earl? Oui? Qu'est-ce que tu fais là? T'étais pas censé rentrer ce matin? J'attends toujours Couser et les gars viennent me relever. On va se débrouiller. Allez, va rejoindre ta famille. J'en ai plus que pour 2 heures, ça ira. D'accord. Mais n'en fais pas trop. Ouais, allez-y. On est dans la salle de contrôle. Steve va tout remettre en route. Tu viens jeter un œil? Je préfère manger avec Ellie. C'était mon tour de toute façon. J'y vais. Je viens avec toi. Va avec Maria et marche. Joël? Allez, Ellie. Laissons les gars travailler. Bon, je vous envoie Tommy. Bougez pas. Allez. Ce sera la 6e fois qu'ils essaient de relancer les turbines. Qu'une semaine qu'on est là, mais ça semble long. Il y a quelqu'un qui dort. Ah. L'an dernier, je suis retourné à la maison, au Texas. Le plus gros de nos affaires manquait. Le plus gros. Tiens. Elle est un peu passée, mais elle est encore chouette. C'est bon. T'es sûr? J'ai dit c'est bon. Ok. Je vais la garder pour toi. Tommy, écoute, il faut que je te parle. En privé. Ouais, ok. Je vais juste aller voir les gars vite fait. Allez. Thank you.
crois que la prochaine, je vais prendre le champ d'écoute. Donc il me faut encore environ 10. Je sais pas ce que tu sais, mais va voir la ville. On compte plus de 20 familles maintenant. C'est Maria et son père qui ont créé cet endroit, de façon autonome. On a des plantations, du bétail. On pensait que ce mode de vie était mort et enterré. Et pourtant... Ça me fait rire. Je suis grave impoli. Je suis là, je fouille tout. Oh, c'est bizarre. Il y a plein de bouteilles, de ceci, de cela. Ça veut dire qu'on va fight. Et niveau sécurité, on a une carte de périmètre à tour de rôle. On a même une barrière électrique. Et vous avez toujours affaire aux infectés. Comme partout. Rien à faire avec. C'est peut-être pas obligé. Parle comme Marlène. Salut toi. C'est Buckley. C'est pas un bon chien de garde. Ça. Mais j'aime bien l'avoir ici. Ces deux génies vont nous remettre la centrale sur pied. Je crois que c'est la bonne cette fois. Quoi, tu ne crois pas? J'ai pas dit ça. Je te parie un million que ça marche. Ok, disons deux. On est presque prêts. Ils ont plus qu'à finir d'installer le bouclier. Bon, on a de quoi à gauche. Faites gaffe. Améliorer l'arme. On va le faire tout de suite. Ok, voyons ce qu'on a. J'ai une nouvelle arme, celle-ci là, El Diablo. Ouais, bon, j'ai pas assez de balles pour faire quoi que ce soit. Capacité de chargeur, ouais. Perforation, ah, c'est pas assez. Ok, c'est bon. Laissez-le doucement. Voilà, c'est bon. Premier là. On peut y aller. C'est bon. Prêt. Vas-y, démarre. C'est parti. On a réussi. Bon boulot les gars. Faudra appeler Maria pour lui annoncer la bonne nouvelle. T'as vu ça? Assez impressionnant. Tu vas devoir me trouver 2 millions. Tu l'as dit. Allons en discuter. Coucou guys. C'est une sacrée équipe que t'as là.
C'est des types bien. Cet endroit leur donne une seconde chance. Il nous donne à tous une seconde chance. Pourquoi t'as quitté Boston ? Je me suis lancé dans une drôle d'aventure. J'imagine que c'est lié à cette gamine. Tout est lié à cette gamine, petit frère. Allez. Vas-y, raconte. Elle est immunisée. Contre quoi ? Écoute, oh, je le sais. Je l'ai vu respirer assez de spores pour tuer une dizaine d'hommes. Et rien. Je n'y aurais pas cru non plus. Mais je peux te montrer. Ok. Je te crois. Pourquoi l'amener ici ? J'étais censé la livrer aux Lucioles. Mais vu que ce sont tes copains... T'as raison. Tu peux finir le boulot et empocher la récompense. Ça fait des années que j'ai pas vu les Lucioles. Mais tu sais où ils sont. Je ne te demande pas grand-chose, Tommy. Je veux un peu de matos. Juste de quoi repartir. Qu'est-ce qui te fait croire que je ferais ça pour toi ? C'est pas pour moi, Tommy. C'est pour ta foutue cause. Ma cause, c'est ma famille, maintenant. T'es pas en train de me parler d'une promenade de santé, là. Tu te fous de ma gueule ? Demande à Maria de rassembler quelques-uns de vos potes pour le faire. Ils ont aussi une famille, mes potes. Tommy, s'il te plaît. Tu veux du matos ? Ok. Mais compte pas sur moi pour te débarrasser de cette gamine. C'est comme ça que tu me remercies, hein ? Te remercie ? Pour toutes ces années où je me suis occupé de nous. Occupé ? Non, mais tu veux rien. Tout ce qui me reste de ces années, c'est des cauchemars. Tu as survécu grâce à moi. Eh ben, ça valait pas le coup. Je t'apporte le salut de l'humanité et tu oses jouer les petits frères pleurnichards. On n'est plus à Boston. Si tu lèves encore une fois la main sur moi, tu vas le payer cher. C'était quoi, ça ? On nous attaque. Tu sais encore tuer un homme, non ? Ouais. C'est parti.